Bonjour, moi c'est Pierre Trémouille, donc associé au sein du GAEC du Masbah, associé avec mon père, Gilles Trémouille. Donc aujourd'hui le GAEC se compose de 140 hectares, 120 hectares d'herbe, une vingtaine d'hectares de luzerne et une vingtaine d'hectares de céréales, tout confondu entre les métayes, les maïs et les céréales à paille. Notre activité principale donc c'est l'élevage bovin-viande. À côté de ça, on a un atelier de veau de boucherie, 186 places, et on est associé avec deux exploitations voisines sur le méthaniseur de la Cumin de Saint-Quentin. On est toujours à la recherche du meilleur compromis entre croissance, on va dire, des animaux et coût économique, parce que les rations d'engraissement sont des rations qui coûtent cher. À partir de là, on s'est dit comment on peut essayer de maximiser notre croissance et tout en réduisant nos coûts. D'autant plus qu'on est dans une région où la production de céréales est compliquée. Donc on s'est posé la question comment on pouvait réduire au maximum notre coût de ration. Au départ, on était sur des coûts de ration, si on donnait des chiffres, de l'ordre de 2,50€ par jour et par animal. On a fait, grâce au GI2E, pas mal de visites. On allait voir un peu ce qui se faisait chez les autres. Voilà, des éleveurs qui sont des fois à côté, qui ont des bonnes idées. Donc voilà, le GI2E nous a permis aussi de nous faire accéder à pas mal de formations, des formations sur l'agronomie, nous faire rencontrer aussi beaucoup de personnes. On a rencontré notamment un nutritionniste. La première chose, on va dire, la plus facile, ça a été de réduire l'achat de correcteurs. On était tous un peu dans le même cas, on achetait aux marchands d'aliments notre correcteur azoté. Il nous a dit, si vous vous mettez en commun, vous êtes capable d'acheter des semis entières qui feront exactement le même travail que le correcteur du commerce. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, il nous a fait comprendre qu'on pouvait aussi réduire cette part de correcteurs azotés avec des choses qu'on a sous la main, en intégrant de plus en plus de luzerne dans nos rotations. Déjà, ça nous permet de sécuriser beaucoup notre système fourrager. Et la deuxième, on a fait un peu ce que faisaient les anciens à l'époque, c'est-à-dire qu'on a remis au goût du jour un peu tout ce qui est mélange de céréales et de protéagineux, des métayes qui, en plus de nous apporter le côté énergétique de la céréale, nous apporte également la partie protéique avec des pois, notamment des fèveroles, de la veste. Si j'en reviens à mon coût de ration du départ, aujourd'hui je suis en dessous de 2€. Voilà. On a aussi essayé de maximiser notre système fourrager sur les troupeaux pâturants, donc grâce au pâturage dynamique. On a redécoupé les parcelles, dans des parcelles plus petites, on a apporté des points d'eau là où il n'y en avait pas. Mes vaches pâturent environ du 25 mars au 1er décembre. Elles ont en permanence, en fait, grâce au pâturage tournant, de l'herbe de qualité, la repousse est meilleure. On peut passer aujourd'hui plus d'animaux sur la même surface. Aujourd'hui, sur l'exploitation, l'ensemble des parcelles dédiées aux céréales ou aux métayes ont été sursemées avec des couverts végétaux. Récemment, grâce au GI2E, on a pu avoir accès à deux semoirs de semis directs. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une dynamique de notre part et de se lancer là-dedans. On a des rendements qui n'ont pas bougé. Le point le plus compliqué, si on veut, c'est un peu la gestion des adventices dans des terrains un peu plus sensibles, on va dire. On a aujourd'hui des sols qui sont vivants et je suis persuadé que dans les années à venir, on arrivera à maîtriser les adventices de façon beaucoup plus importante sans toucher le sol. Oui, on voit une évolution qui est positive. On a des taux de matière organique dans les sols qui augmentent de plus en plus. Des rendements très dépendants des aléas climatiques, mais dans l'ensemble, voilà, on n'a rien à envier à ceux qui sont en culture traditionnelle, à base de labour, etc., etc. On passe également moins de temps sur nos tracteurs. On a tous des familles, et on a envie de les préserver, donc voilà, on préfère passer un peu de temps avec elles que du temps dans nos tracteurs. Et voilà, et on a des animaux qui sont en meilleure santé. Et on a gagné, j'ai envie de dire, en autonomie fourragère, parce qu'aujourd'hui, on se permet de vendre entre 200 et 300 rouleaux par an de foin, donc ce que l'on ne pouvait pas il y a 3 ans de ça. Au niveau culturel, on va dire, ça va être la première année qu'on travaille en semi-direct, donc on va travailler, jusqu'à présent on travaillait le moins possible la terre, mais là on ne va pas la travailler du tout. Donc ça, on va voir les résultats un peu, je fonde beaucoup d'espoir là-dessus. L'agriculture, on a besoin d'être plusieurs cerveaux, ça, c'est toujours plus facile, c'est un peu ce qu'on a fait si on veut revenir au sein du GI2E, grâce à nos visites et grâce à l'échange qu'on peut avoir entre nous. Parce qu'au final, on fait tous des choses bien sur nos exploitations, mais au final, le plus important, c'est de le partager.